Poto, ici Kira. Aujourd'hui, on se retrouve sur Biz Battle Simulator. Nous allons continuer à faire de la simulation de n'importe quoi. Parce que oui, on peut mettre des bêtes, on peut mettre des dinosaures, on peut mettre des armes. Et apparemment, on peut mettre des armes sur les dinosaures. Ouais, c'est ce que je viens d'apprendre dans le dernier épisode. J'ai lu vos commentaires, il y en a un qui m'a dit ça. J'étais en mode, quoi, attendez, on peut mettre des armes sur les dinosaures. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de simulation? Donc avant de faire le mode challenge, j'ai bien envie d'essayer ce truc là parce que ça, je pense que ça peut bien me faire délirer. Ça va être certainement n'importe quoi, mais il faut absolument le tester. Alors on va peut-être pas tester toutes les maps parce que sinon on va prendre du temps pour rien. Mais je vais choisir la map sur laquelle j'ai envie de jouer. Donc on va partir sur le Coliseum parce que j'adore ça. Voilà, c'est très bien le Coliseum. Ça fait bien ambiance, on va se casser la gueule quoi. Donc j'ai envie de tester déjà les dinosaures parce que c'est quelque chose que je voulais tester depuis le début. Forcément c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Et surtout, ah oui, bah oui, gear, équipement, mais bien sûr, en fait j'avais pas capté dans ma tête que c'était de l'équipement. Ah oui, on a deux devices, donc device c'est ce qui pose, c'est ce qui se pose directement. Et gear c'est bien l'équipement qu'on peut mettre sur les dinosaures. Et peut-être même sur les animaux. Donc si c'est le cas, ça va vraiment être n'importe quoi. Bon, allez, c'est parti pour une bataille de dinosaures, comme on a tous envie de le voir. Parce que si vous regardez ces épisodes, c'est pour voir les batailles de dinosaures. Et donc, on va directement placer les T-Rex. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que j'ai... Ah oui, d'accord, ok, ça c'est un Brachiosaurus. Et ça vous permet d'avoir un peu de culture sur les dinosaures, en voyant un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va utiliser les T-Rex, parce que c'est un peu dans la culture populaire le dinosaure le plus apprécié. C'est le T-Rex, c'est le plus puissant, avec sa mâchoire énorme, que beaucoup de personnes adorent. Donc on va se faire un petit combat T-Rex avec... Attendez, on va regarder si ça marche. Non, sérieusement. Pourquoi je joue à ces jeux? Vous me rappelez pourquoi je joue à ces jeux déjà? N'importe quoi, attendez, on peut mettre des lasers sur leur tête. Je peux leur mettre des lance-flammes. Oh oui. Oh, les T-Rex des enfers. Oh, j'adore. Oh, regardez-moi ça. Les T-Rex des enfers. Oh oui. Ça va être impressionnant. Alors, les T-Rex comptent quoi déjà? Comptent des animaux tout mignons, tiens. En face, on va tout simplement mettre des girafes. Oh, les pauvres girafes. Elles vont se faire tellement bouffer, mais moi, ça me fait tellement plaisir. Non, pas dans la même team. On va éviter. On va éviter de les mettre dans la même team. Une armée de girafes prêts à se faire complètement détruire. C'est parti, attention! Les T-Rex avec leur lance-flammes qui vont tout simplement crever ces pauvres girafes! Pas forcément! Regardez! C'est un carnage. C'est un carnage, oui, 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 les têtes qui se coupent. Oh! Oh! Au revoir, girafe! Adieu! T'en as une qui décide de... Qu'est-ce qui c'est? Ah oui, bon, ça c'est les bugs qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu de simulation, hein. Et je... Oh là là, c'est un... c'est totalement un carnage. Alors j'ai vu un commentaire tout mignon qui m'a tout simplement dit « Kira, tu peux enlever le sang, s'il te plaît ?» J'étais en mode « Non, désolé mec, c'est un jeu où la violence est importante. Donc si c'est trop violent pour vous, vous ne regardez pas, bordel. Vous cliquez pas sur une vidéo, vous voyez du sang. Ne faites pas ça. » Partez si vous êtes choqué par ça, c'est normal. Bon, je pense que on va devoir rajouter d'autres animaux. Donc on va rajouter les ours polaires qui vont aider pour le combat. Parce que j'ai l'impression que les T-Rex sont quand même assez puissants avec leur lance-flamme. Hein. Voilà, allez, quelques ours blancs supplémentaires. Je pense que ça peut faire le café. Moi, ce qui me fait rire dans ce jeu-là, c'est que les animaux glissent en fait sur le sol. Et j'adore la physique du jeu en fait, c'est totalement délire. Regardez, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à en tuer un? Barbecue parti. Est-ce qu'ils vont réussir à en tuer un? Mais ils arrivent même pas à en tuer un, c'est... C'est dommage, quoi. Il y en a une qui arrive à résister, elle est en dessous. Non, là, elle est morte. Non, mais bon, on va devoir les améliorer, les tuyaux de girafe. Non, plutôt les ours. Voilà, les ours avec des armes dessus. C'est très classe. Donc on va rajouter aux ours des lasers. Des lasers. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que j'ai les lasers? Oui, voilà. Les lasers. Des lasers sur la tête. Ah là là, toujours plus fou ce genre de jeu. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, bah oui, forcément, ça a une grande portée du coup. Toulou. Ah mais ça tire aux... Ah mais ça tire dans le sol. Oh! Oh le choc, ça continue, ça continue. Tirez, tirez, tirez dessus, tirez dessus. Ah mais les T-Rex vont pas se faire abattre. Non mais les... Ils sont beaucoup trop forts. Non mais laissez tomber. Là il faut mettre des choses aussi sur les
Sur les girafes. On va mettre des canons. Est-ce que je peux mettre des... C'est parti. La première rangée de girafes va avoir des canons sur le derche. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. J'adore ce genre de jeu. Ouais, mais par contre, ça tire. Ouais, mais non, mais là, c'est pas du tout bon. Ah ouais, non, mais la disposition du... Ouais, ouais, non, 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 c'est pas... C'est pas bon, là. Le souci, c'est que elle tire un peu... Bah, tire en l'air, en fait. Ouais, non, c'est toujours pas bon. On va pas réussir à les tuer, ces T-Rex, bordel. Ces T-Rex cracheurs de feu, là. Il va falloir réagir, là, Kira. Bon, je vais rajouter d'autres choses. Des shotguns. Allez, oh, les shotguns, c'est sur le côté. Alors ça, par contre, c'est très intéressant. Là, on a quelque chose. Je vais mettre des shotguns à tout le monde. Au bout d'un moment, va falloir y aller, quoi. Ah, je peux rajouter shotgun plus canon. Ok, des girafes avec les shotguns. Ok, c'est parti. Oh. Oh, ça va tirer là, ça va tirer, ça tire toujours pas. Allez, tirez, mais tirez dessus. Oh. Bah, les shotguns, c'est très efficace, comme on a pu le voir. Les shotguns, c'est l'avenir. C'est l'avenir des girafes. Les shotguns, c'est la... Alors, attendez, je vais juste virer plein de girafes. Je vais juste essayer. Attends, je vais tout virer. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer des girafes et je vais juste leur mettre... Non, je vais mettre une girafe avec le shotgun. Je vais tester un truc. Le shotgun a l'air trop puissant, il coûte pas cher. Et ce que je vais faire en face, c'est que je vais mettre une armée de chiens. Juste pour voir ce que ça fait. Ouais, mais est-ce que la girafe va réussir à les toucher? Wouhou! C'est parti! Ah non, mais non, mais oui, non, mais... Je me trompe à chaque fois, excusez-moi. Je les ai mis dans la même team, en fait. Change de team. La petite girafe... non, pas ça. J'ai dit la petite girafe là. On la tourne. On leur met... on lui met le shotgun. Et là, on se fait plaisir. Allez, regardez, regardez ça. Regardez ça, regardez ça. Regarde ça. Ah, mais le souci, c'est que la girafe tire pas. Ah, ouais, mais non, mais oui, mais non. Mais c'est les chiens qui vont gagner. Mais les chiens sont beaucoup trop malins. Là, ils vont attaquer les pattes. Eh, non, mais je suis débile. Il reste rien. Non, mais qui a gagné? Il reste plus rien. À égalité? Le pire, c'est que c'est possible. Ah! Le jeu a crashé, les amis. Le jeu a crashé réellement. Il a pas aimé l'égalité, je crois. Ok. Test, test, test. Ça, c'est pour accorder la vidéo avec l'audio, parce que sinon, je vais me perdre. Putain, le jeu a crashé. Dans le moment où on s'amusait. C'est un peu dommage, tout ça. Bon, écoutez, on va partir pour le mode challenge, je pense, parce que je vous avoue que le mode sandbox, il est cool à un moment. Il y a encore plein de choses à tester, mais j'ai envie d'avoir du challenge. Donc, on va partir pour le mode challenge. Il y a beaucoup de niveaux. Donc, il y a moyen qu'on s'amuse pendant pas mal d'épisodes. Donc, on va commencer par le premier challenge, qui est The Birds. Avec ces oiseaux incroyables. Allez, allons-y. Alors, comment ça va marcher? On va voir, il y a une team en face, on va devoir placer des créatures. On va avoir un nombre d'argent prédéfini. Voilà, donc on a 1500. Ah, ça c'est vraiment cool. Ah, j'aime beaucoup. Et donc là, on va pouvoir les tuer avec ce qu'on veut. Ah, c'est trop bien. Franchement, le mode challenge, ça va être quelque chose où je vais m'amuser. The Birds. Ok, donc c'est des. J'ai un trou de mémoire et du coup j'ai l'air con de ne pas reconnaître ces oiseaux là. C'est des mouettes. Je crois que c'est des mouettes. Alors c'est des mouettes ou c'est des goélands? J'arrive jamais à faire la différence entre les goélands et les mouettes. Je crois que les goélands c'est fat. C'est truc bien fat. Je crois que c'est peut-être ça alors, j'en sais rien. Bon, des goélands, des mouettes. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour tuer tout ça? Bah écoutez, on va faire la technique des girafes. J'ai trop envie de retester les girafes là, avec leur shotgun. Je trouve ça trop cool. On va en mettre un peu partout. Non mais là ils vont... Là je pense qu'en plus elles sont au bon niveau. Ah mais non mais on n'a pas les... Ah oui mais on n'a pas les... Ah mais je suis débile, oui, on n'a pas l'équipement là. Mais non mais on va quand même essayer les girafes, tiens, juste pour voir. Attendez, on va les mettre bien quand même. Et... Oh, respecte les girafes. Je pense que les girafes avec leur long cou vont pouvoir choper les goélands. Je pense, j'en sais rien en vrai, je dis ça comme ça. C'est parti, allons-y. L'attaque des... Oh! Ah ils sont sérieux, c'est quoi ces attaques... Des attaques en piqué quoi. Mais on a quand même largement gagné parce qu'en fait les mouettes sont mortes directement. Ok, on a gagné. Très bien, bah pourquoi pas. Prochain level du coup. Mais c'était super simple, on a rien fait en fait. Très bien, pourquoi pas. Alors là, on a des cochons avec des... Ah, d'accord, on va devoir améliorer les cochons.
Ah mais c'est beaucoup trop simple en fait les challenges. Après c'est les premiers levels. Et on va devoir se fight contre ce T-Rex. Ok. Et vous avez eu toute la thune qu'on a. On a 20 000 $, donc je peux vous assurer que là on va mettre tout ce qui coûte plus cher. Les miniguns bien entendu. Allez c'est parti, c'est parti, on va tout mettre. C'est plus des cochons là, ce sont des tanks. Ce sont des armes de destruction massive. Et pour terminer, le flamethrower parce que ça coûte pas cher. Voilà, donc on peut en mettre. Bon, on peut pas en mettre partout. C'est parti! Go! Oh là là! Oh là là! Oh, il va tomber, il va tomber! Ah, ça reste chaud, ça reste chaud, ça reste chaud. Quoique, ça continue, ça continue. Ouais. Il fait n'importe quoi là, le T-Rex. Il tourne en rond, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il en reste un, il reste un cochon là. Oh le cochon il est solide. Ah non ça sera pas suffisant. Si, ah si, on a gagné. Il restait deux cochons. Putain les champions, regardez c'est lui. Il est magnifique, ça ferait une belle miniature, regardez. Le cochon tueur. Une arme de destruction massive. Ça c'est une belle miniature, j'aime bien. J'apprécie. Ok, c'est les deux héros. Ou peut-être c'était le dernier, je sais pas. On n'a pas très bien vu. Waouh, ah ouais. On va faire du foot maintenant. Pourquoi pas? Alors, on a quoi? On a des chiens, on a des kangourous, on a des cochons. Mais qu'est-ce qu'à quel jeu je suis en train de jouer, bordel? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de jouer à un jeu vidéo où on pose des animaux qui jouent au foot et vous, vous êtes en train de regarder ça. Et le pire, c'est que je gagne ma vie en faisant cette vidéo. Enfin, pas juste avec cette vidéo, vous m'avez compris. Comment tu peux expliquer à ta famille dans la vie de tous les jours en leur disant regarde j'ai fait cette vidéo et avec ça je gagne de l'argent et je gagne ma vie. Comment je peux leur dire ça? Je peux pas leur dire ça, c'est impossible. Au bout d'un moment c'est impossible, ils vont me prendre pour un débile. Ils vont me dire non mais c'est pas possible. Des gens te regardent jouer à ça, à ce jeu. Je vais leur dire bah oui. Bon on va mettre des, oh oui on va mettre des stégosaurus. Oh ils sont bien fat. Alors ça pour jouer au foot c'est formidable, on peut en poser qu'un. On a que 300, mais attendez on est tout seul. C'est pas du tout équilibré mais qu'est-ce que c'est que ces conneries. Le stégosaurus est tout seul. Non mais réellement, mais... Oh! 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 Oh le ballon va rentrer. Le ballon va rentrer. Le ballon... Vas-y! Il est en train de les écraser, regardez! Oh les stégosaurus... Boum! Oh non, 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 non! Oh non! Il est où l'arbitre? Il y a eu de la tricherie. Allez, on recommence. Bon du coup, il faut mettre 3 points. C'est un BO3. C'est formidable. Enfin, un BO5 plutôt du coup. Oh! Et c'est le but! Non! Non, mon dieu! En fait ça c'est un peu le Rocket League du pauvre quoi. Non, mais pas des buts contre ton camp, il est complètement débile. Regardez le kangourou comment il court. Regardez. Ouais je pense pas que ce soit bien de mettre un animal en fait. Ouais c'est une mauvaise. Attendez là mon stégosaurus allait mettre un but contre son camp, on est d'accord. Oh là 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 là, c'est incroyable ce match. Plein de suspense. Eh oui. T'arrêtes de faire ça ou je te vire de la team. Et carton rouge direct hein. Putain, pire que Zidane. Oh là là, c'est bien. Oh oui! 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 Mais c'est le but! Avec de la chance, avec entièrement. Et que de la chance. Que de la chance. Allez, c'est parti, on recommence. Et boum! Défonce-les, vas-y, défonce-les. Utilise ta force surhumaine pour gagner. Voilà, c'est pas le nombre. L'important, c'est pas le nombre. L'important, c'est la force. Voilà, écrase-les. Voilà. Oh, c'est bien. Oh! Oh, presque ça. Alors, on peut regarder d'en haut aussi. Voilà, comme ça, c'est pas mal aussi. Oh non, 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 non. Oh merde, ils sont bien là, ils sont beaucoup trop bien. Oh non, ils vont le mettre. Oh non. Oh non, et c'est le 2-1, c'est le 2-1, malheureusement. C'est le 2-1. Dommage. Ok, c'est pas encore perdu. Je crois en toi, Stegosaurus. Ouais, par contre, là, faut que t'avances un peu plus vite. Bam. Allez, il faut que tu repasses vers la... Voilà, il va refaire... Ouais, mais il va refaire la même erreur. Il va refaire la même erreur débutant. Il va taper du mauvais côté. Non, mais non, mais non. Non, non, pas de ce côté-là. Vraiment, genre juste pas de ce côté-là, c'est con, c'est débile. Il va mettre un but contre son camp. Attendez, il va mettre un but contre son camp. Non, oh c'est bon ça. Oh la frappe de génie. Là, elle est pour toi là. Elle est pour toi. Tu retapes un petit coup dedans. Boum. Non, pas par là. Mais non. Mais non, mais pas par là, mais non. Dégage là. Mais... Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, c'est les chiens qui ont tapé comme ça. Oh. Goal. C'est magnifique.
Oh là là, 2-2. Mais le mec, attendez, mais Stegosaurus va réussir à gagner un match tout seul? Est-ce la réalité? Est-ce vrai? Oh là là, si c'est le cas, c'est magnifique. Oh là là, ce qui se passe est incroyable. Oh non 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 non, tu vas l'avoir la balle. Non 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 non, elle va rentrer. Non 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 non. Oh mais non. Dommage, c'est la défaite. Oh merde. Non mais je vais pas abandonner là, il faut absolument gagner. Faut absolument gagner. Donc on va virer le Stegosaurus et on va mettre des teams. Non, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre ceux qui coûtent le moins cher. Donc je vais mettre que des dogs. Que des chiens, une armée de dogs. Allez, c'est parti. Ça va être juste un gros bordel comme pas possible. Regardez, 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 regardez. Et oui Thierry, nous assistons à un match d'enfer, un match d'exception. Et c'est incroyable. Oh là là, Thierry, Thierry, regardez ce qui se passe. Nous avons des chiens qui sont rentrés sur le terrain. Je crois que c'est Didier, Didier le chien. Attention, incroyable. Oh là là là, regardez, regardez ce contrôle de balle. Regardez ce contrôle de balle. Oh là là, ça contrôle la balle, ça contrôle à mort la balle. Et c'est incroyable, et ça va conduire tout droit la balle. Ça va conduire tout droit la balle vers les buts. Attention, oh non, dommage, dommage. C'était pas très bien. Pas très très bien joué. C'était, je comprends rien au match, j'essaie de commenter mais c'est incommentable, ça ne se dit pas du tout, incommentable, n'importe quoi, c'est nul, non ce match est nul. Non non non, on va reset tout ça. Non 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 non, non c'est pas bon du tout, je vais devoir essayer de me créer une autre team. Alors ce qu'on va essayer de se faire, c'est qu'on va se mettre du coup un petit hippo. Voilà un hippo ici qui va être au niveau des goals, il va bouger hein, mais bon c'est pas grave. On va se mettre des hyènes parce que les hyènes ça court vite. Voilà, on va se faire notre petite... Ah mais j'ai déjà presque plus de thunes. On va se mettre des cochons et un petit chien. Je sais pas du tout si c'est bien, mais bon, on verra bien. Et le chien qui est là, juste devant, voilà. Qui va prendre la balle directement. Et regardez. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable, cette frappe. Oh! Les hyènes? Les hyènes envoient du lourd. Oh là là, l'hippopotame. Il arrive même pas à tourner, regardez, il glisse sur le sol. Eh, franchement, vous, faites mieux que le Stegosaur parce que c'est ridicule. Le Stegosaur était tout seul, il a réussi à mettre deux buts. Oh, les hyènes sont trop bons. Oh, sont trop bonnes du coup plutôt. Oh là là, mais c'est les hyènes qui vont remporter le match du coup. Mais ça peut se retourner contre eux. Attention, non. Oh mais non, vous abusez là. Vous abusez. Ah mais c'est ça, les hyènes sont beaucoup trop fortes. Mais le souci c'est qu'elles tirent, mais à côté et du coup ça rebondit. Ces animaux sont insupportables. Ouais voilà, c'est bien ça. Ça c'est bien l'hippopotame. On a senti. Oh, et ça va rentrer dedans. Ça c'est bon l'hippopotame. Ça c'est un. Ça c'est beau. Ça c'est vraiment vraiment beau. Bravo à toi. Vraiment vraiment bravo. De tout cœur, je suis avec toi. L'hippopotame actuellement qui fait le café. Alors les hyènes, elles sont fortes les hyènes. Elles font des dégâts. Mais elles visent à côté et elles touchent pas le ballon quelquefois. Donc c'est ridicule. Oh non 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 non. Dégage là, il faut la dégager, il faut la dégager. Ça va pas se passer comme ça, je vais devoir vous virer pour cette saison si ça continue. Ouais, je vais devoir reformer la team. Ah voilà, regardez, regardez, voilà, l'hippopotame il a bien compris la technique. Hein. Regardez, regardez, ça va rebondir. Et ça va presque rentrer. Attendez, il faut. Oh, j'espère qu'il va avoir un petit rebond. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, go, go, la mettre. Foncez dessus, foncez dessus. Oh non, oh non, vous abusez là. Ah là, vous êtes des abuseurs. Oh, vous abusez à mort. Oh, mais non, c'est encore perdu. Oh non, mais j'en ai marre. J'en peux plus. Il faut absolument que je termine cette vidéo. On a un mort sur le terrain en plus, regardez. Il faut absolument que je termine cette vidéo. Non mais il faut que je termine cette vidéo. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal d'hippopotames parce que j'ai bien aimé leur jeu. Donc je vais en mettre deux. Et devant, je vais mettre un kangourou parce que je trouve les kangourous plutôt forts. Et mais un dog parce qu'il me reste que ça. Allez, c'est parti. Non mais qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton nettoyer. Qu'est-ce que c'est? Débile. Kira est complètement débile. L'hippopotame, on va le tourner. Voilà, deux hippopotames comme ça. Et j'ai dit également un kangourou. Bon, le chien est à l'envers, mais c'est pas grave. Allez, let's go. C'est parti. Allez, on y va. Allez, je vous fais confiance. Allez, là c'est du beau jeu. Là c'est du beau jeu. Allez, 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 vas-y. Allez. Ah, je vous fais confiance. Vous avez pas intérêt à me décevoir, hein, vraiment. Encore mieux que FIFA 2017. Là, on est vraiment sur du lourd. Ouh, la transversale. C'était très chaud là, c'était très chaud. Alors celle-là elle est pour vous. Celle-là elle est pour vous. Ah, le souci des hippopotames c'est qu'ils courent vraiment vraiment lentement. Allez, mets-la à gauche, mets-la à gauche, mets-la à gauche.
Non, derrière toi, mais non, pas par ici, pas par ici. Mais en fait, vous jouez contre votre camp ou quoi? Ah, celle-là, elle est belle, par contre. Celle-là, elle est vraiment belle. Le rebond, et là, il faudrait foncer dessus. Alors, vous pouvez pas la louper, vous pouvez pas la louper, vous pouvez pas la louper. Oui! Oui! Ils ont marqué contre leur camp ou quoi? J'ai pas très bien vu, je sais pas s'ils ont vraiment marqué contre leur camp ou si c'est un hippopotame qui a réussi à taper dans la balle. Je ne sais pas. Oula, bien joué, kangourou. On a senti ta volonté de d'amener ton équipe à la victoire. Alors, ah là, le virage est très serré pour les kangourous, ils ont du mal. Ils ont du mal là, ils ont du mal à glisser, c'est un peu compliqué pour eux. Ouais, là ça va être compliqué. Oh, regarde notre kangourou, j'ai l'impression qu'il court. Non, il court aussi vite que les autres. Oh, le rebond, c'est pas très bon ça. Ok, voilà, on éjecte la balle. Très très bien joué de la part. Oh là là, et l'arrêt, les hippopotames. Depuis tout à l'heure je dis kangourous, c'est les hippopotames. Sont vraiment très bons en défense. Ils arrivent à rejeter la balle d'une façon assez incroyable. Oh, regardez, mais regardez-moi ça. Il a presque mis le but quoi. Des génies, ils arrivent à attraper la balle avec leur croc et la renvoyer ailleurs. Et ça c'est vraiment pas mal. Là ils l'ont. Un peu trop serré le tournant. Oh mon dieu, j'espère que vous êtes chaud dans le public. Oh non. Oh le chien. Oh le chien qui nous a tapé un sprint. Bien joué à lui. Je tiens à le dire, c'était beau. On va pas se mentir. C'était très beau, je dois rester neutre en tant que commentateur de foot. Je dois rester entièrement neutre. Ce qui est complètement faux, hein, parce que les commentateurs de foot, quand il y a l'équipe de France, ils la soutiennent entièrement. Et oh. Et il nous reste un but pour remporter cette, cette. Le kangourou est très très bon au début. Hein. J'aurais dû faire une armée de kangourous, je pense que ça aurait marché. Non. Allez, récupère la balle. Oh là là, c'est en train de bouffer la balle. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous en train de croquer dans la balle. Faut pas la croquer la balle, il faut la mettre dans le but. Alors faut savoir que aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Je vous assure, ces animaux sont. C'était pas mal. Ces animaux sont tout à fait. Ce sont des robots. Voilà, très réalistes, mais des robots. Oh non. Enfin des androïdes. Parce que des robots, ce serait entièrement. Il y aurait pas de sang des robots, j'ai envie de dire. Ce sont des cyborgs. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Oh, ce dernier but complètement chanceux. Ce dernier but de la chance. Bon bah écoutez les amis, on a réussi du coup on a réussi ce challenge. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était vraiment cool, on a fait que 3 challenges du coup. Parce que bah on a fait un peu de sandbox. La prochaine fois on réattaquera les challenges. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et je pense que ça peut être intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ce jeu complètement loufoque, complètement con. Mais qu'est-ce qu'on aime ça bordel. Putain, on adore, moi j'adore. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos sur ces jeux là. J'en fais pas tout le temps parce que c'est pas non plus un jeu qu'on aimerait voir tous les jours. Mais de temps en temps ça détend, c'est débile. Et on pose son cerveau et on se fait plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. C'était Kira, salut.